Les trophées Argus 2019, c'est 22 marques et 34 voitures en compétition. Il s'agit de modèles commercialisés durant l'année 2018. Pour tenir compte de la diversité de l'offre, les voitures concourent dans 4 catégories, les berlines compactes, les SUV compactes, les berlines routières et les SUV premium. Pour l'édition 2019, nous avons repris les critères habituels, mais en mettant l'accent sur le CO2 qui devient un élément déterminant dans l'achat d'un véhicule et au niveau du budget global. Une fois établi notre premier classement, on va se pencher sur tout ce que les chiffres ne nous disent pas, c'est-à-dire qu'on va conduire ces voitures, on va les conduire en ville, sur route, sur autoroute, on va jauger le confort, l'espace intérieur, on va tester les équipements technologiques, la connectivité, les aides à la conduite, bref, on va se glisser dans la peau de l'utilisateur. Et toutes les qualités ou les petits défauts qu'on va déceler pendant ces tests viendront pondérer le résultat final. La grande gagnante sera la voiture Argus 2019. Elle est désignée par un panel de journalistes issus de la presse nationale et régionale. Mais les trophées Argus donnent aussi la parole aux internautes qui élisent la sportive de l'année pendant un mois via des votes sur le site de l'Argus.fr. Cette année, pour l'élection de l'utilitaire de l'année, 5 véhicules étaient éligibles.